Coucou, je te partage une recette de sardines au four. Je commence par la marinade. Dans l'hachoir, je mets une tomate, persil, du thym, c'est facultatif, quelques gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré tomate, le jus d'un demi-citron. J'assaisonne avec du sel, poivre noir, cumin et paprika. Ici, j'ai 1 kg de sardines préalablement lavées et retirées les arêtes. Je mets un petit peu de farce à l'intérieur et aussi par-dessus. Ensuite, je vais les tremper dans la semoule fine de préférence. Je les badigeonne avec un petit peu d'huile, sinon si tu as le vaporisateur, c'est encore mieux. Ensuite, je les fais cuire pendant 15 minutes à peu près à 200 degrés, ça dépend des fours. Ensuite, je vais préparer une petite sauce pour accompagner les sardines. Dans une casserole, je fais réduire un demi-poivron rouge et vert avec un filet d'huile. Ensuite, je rajoute une tomate râpée, un petit peu d'eau et j'assaisonne avec les mêmes épices. Je rajoute aussi du thym. Je porte le tout à ébullition. Si tu as le four qui ne s'allume pas du haut, tu peux les retourner pour les faire cuire par-dessus. Tu dégustes les sardines avec la sauce au sang, c'est comme tu veux. Les sardines sont bien cuites, croustillantes et tendres de l'intérieur. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.